Alors aujourd'hui, on est dans l'atelier de Okandi. On va vous expliquer comment on fait les tiges de vétiver. C'est parti! Bon, il faut une certaine dextérité, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Là, elle finit un et elle va en reprendre pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on le fait. Donc voilà, des racines de vétiver, comme on explique, Ramélé, Gongolili, Babi, sont des racines qui ont des propriétés pour nettoyer et purifier le corps de l'intérieur. Donc c'est considéré comme l'allié de la femme en Afrique de l'Ouest. Et là, on va commencer et vous expliquer ce qu'on fait. Donc en fait, la racine de vétiver, donc c'est des tiges. Donc là, on va prendre à peu près combien de tiges? On va dire, ouais, bon, à peu près 7. 7 tiges environ. Donc voilà, la racine, elle se présente vraiment comme ça. Et après, on va commencer, on va prendre une tige et on va la tourner tout autour de la racine. Voilà, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, elle continue à tourner. Bon, c'est une professionnelle, hein. Elle a l'habitude. C'est fini.